Ok, ben on y va alors. Bonjour à tous. Qui êtes-vous? Bon, avant que je commence, je voudrais un petit peu savoir déjà à qui j'ai affaire. Donc, savoir qui connaît déjà plus ou moins Gradle. D'accord. Qui en a jamais entendu parler ou. Ok. Qui l'utilise au quotidien? Qui utilise Maven au quotidien? Makefile? Ouais, du CMake peut-être. SBT? Ouais, bah il en faut, hein. Ok. Donc, bah, comme c'est un jug, un petit peu plus de temps que d'habitude, même si on a zappé un petit peu de temps là, mais je vais peut-être commencer par faire une petite présentation super rapide de ce que c'est, à quoi ça ressemble un script Gradle. Et puis après on partira vraiment dans cet aspect présentation. Donc la présentation est centrée sur Gradle 3 et plus particulièrement sur l'aspect performance. Et bah, je vous expliquerai pourquoi un petit peu après. Donc hop, avant de faire une petite démo, évidemment je me suis planté, j'aurais pas dû faire ça. Et ben ça me donne l'occasion de vous montrer un petit peu à quoi ça sert Gradle aussi, puisque mes slides sont générés avec Gradle. Hop, donc c'est du Gradle plus ASCII Doctor plus un truc pour faire du reloading. Donc dans Gradle, alors, GW c'est un alias pour Gradle W, on en reparlera plus tard. Non d'ailleurs j'ai un sous-dossier si je ne me trompe pas. Voilà. Donc on va faire ça. Il me démarre mon petit ASCII Doctor et puis je vais aller dans mon dossier build, ASCII Doc, reveal. Puis j'ai pas besoin d'aller plus loin d'ailleurs. Et puis on va se lancer un petit serveur web ici. Hop. Localhost 8080. Ah, c'est pas le bon dossier, je suis allé trop loin, je pense. Voilà. Un petit refresh. Ok, donc j'ai mes slides, tout va bien, pas de panique. Donc ce qui est sympa, c'est que je vais essayer d'aller modifier un fichier. Ah, il faut que je me mette en offline. J'ai pas de connexion internet alors. En Bretagne, il n'y a pas. Tac. On va aller modifier un petit fichier. Donc src, je sais pas moi, src doc ASCII doc. Le index.doc qui est mon petit talk, et puis je vais aller juste rajouter. Tiens, je vais changer mon. Je vais juste mettre Gradle. Hop, CTRL X. J'enregistre. Et ce qu'on va voir, c'est que Gradle, normalement, voilà, il recompile tout de suite. Et ça me fait mon refresh. Enfin, bref. Donc dans Gradle, c'est le mode continu de Gradle qui permet de faire ça. Donc c'est un truc qui monite en permanence en fait ce qui se passe derrière. Donc c'est pas mal comme intro, c'était un petit bug, mais voilà. Donc moi qui je suis? Donc je suis Cédric Champeau et en fait je travaille pour la société Gradle Inc., qui est la société qui développe Gradle, donc le produit open source du même nom. Avant de faire ça, en fait, j'étais chez Pivotal et je travaillais sur le langage Groovy. Donc ça c'est un petit DSL en Groovy qui raconte un petit peu ma vie. Et puis la photo qui est là, c'est la seule que vous trouverez sur internet où je fais pas la gueule. Voilà. À peu près. voilà. Je vais pas aller plus loin. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On va parler de ce que c'est que le Gradle Daemon, comment on fait du profilage de build dans Gradle, ce que sont les notions d'incrémental, de build composite, de cache, etc. etc. Et donc, ben, avant d'aller dans tout ça, hop, je vais passer en mode ligne de commande et puis un exemple va être plus parlant. On va aller se faire un petit exemple de projet Java tout bête, juste pour savoir comment on utilise Gradle pour compiler un projet Java. Bon, le truc vraiment de base. Donc, Gradle, c'est un outil ligne de commande build. Donc, un outil de build, ça veut dire, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un outil de build? Parce que j'ai eu le cas déjà. Ça arrive aussi à des étudiants, souvent en fait, ils savent ce que c'est qu'un compilateur, mais la notion d'outil de build. Donc c'est bon pour tout le monde. Ok, eh ben on y va.
Donc, je vais faire un petit dossier. On va commencer par se créer un CRC main Java. Donc, ce qui veut dire qu'avec Gradle, vous n'allez pas perdre, si vous êtes habitué à Maven, vous n'allez pas perdre les conventions de Maven, ce sont les mêmes. Il n'y a pas de raison d'en changer, sauf si vous avez envie, et vous pouvez. Et puis, je vais aller me créer une petite classe là-dedans. Alors, voilà. Et puis, on va appeler ça greeter.java. Public class greeter. Ça aurait été plus rapide en Groovy, mais. Hein. Public static void main string args. Hop. Et puis on va lui faire dire quelque chose de rigolo. System.out.println. Hello. Et puis on va utiliser args. Hello. On va pas s'embêter pour l'instant. Voilà. Donc j'ai une classe Java. Et puis j'ai envie de compiler ça, d'en faire un projet qui va être packagé, tout ça. Donc comment je fais ça? Je vais créer un fichier qui s'appelle build.gradle. Donc vous remarquerez que j'utilise Nano, donc ceci n'est pas un Mac. Il y a un Mac à côté que j'ai aussi, mais que j'utilise jamais en développement quotidien, mais je l'utiliserai pour la fin de ce talk, dans une démo. Et donc c'est un projet Java, donc je vais faire apply plugin Java. Hop, et puis ça y est, j'ai fini. Donc on va faire Gradle build. GL, c'est aussi un alias que j'ai, c'est en fait un alias vers ma version de développement de Gradle, parce que je développe Gradle en local, donc j'ai une version qui est la super up-to-date. Donc là, il m'a fait plein de trucs. On a vu qu'il me raconte un truc à propos du Gradle daemon, mais j'en parlerai plus tard. Et puis il compile Java, il fait le process des ressources, il va me générer le dossier classe, le jar, un symbole, etc. J'ai pas de test évidemment parce que je suis un développeur lambda. Et ça m'a fait une build. Et donc si je regarde ce que ça m'a généré derrière, c'est un dossier build avec des choses dedans, un dossier classe, main parce que ma classe était dans le source set main. Donc j'ai mon greeter.class. J'ai un petit dossier qui est interne à Gradle, on s'en moque pour l'instant, mais derrière, il m'a quand même généré un jar. Et puis, j'ai moyen de tweaker le manifest si je veux. Donc, voilà. Il n'y a pas plus simple. Je vais faire apply plugin Java. Et ça suffit à compiler un projet Java qui suit les conventions que vous avez l'habitude d'utiliser dans Maven. C'est pas mal, mais en fait, j'avais un main quand même dans mon truc. Donc, on va aller modifier légèrement ça et rajouter un deuxième plugin qui s'appelle application. Hop, je crois que ça s'appelle main class. Je configure quelque chose qui s'appelle main class, qui s'appelle greeter. Et on va aller regarder les tâches disponibles. Donc c'est pas main class, je me suis planté. Main class name. À chaque fois j'ai une chance sur deux, mais c'est jamais la bonne. Voilà. Et quand je liste mes tâches, je vais voir que j'ai une tâche qui s'appelle run qui est apparue. Donc je fais gradle run et hop, ça affiche hello. Bon, c'est pas mal, mais si je regarde ce qui s'est passé dans mon dossier de build, c'est plus intéressant. Voilà, il m'a fait hop, il m'a. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait run, mais si je fais gradle. Hop, je me souviens plus du nom de la tâche évidemment, mais je peux les regarder. Donc c'est install ou distzip. Allez hop, Gradle distzip. Parce que comme on est feignant, on peut écrire DZ en camel case et il va reconnaître qu'il y a une tâche qui s'appelle distzip. Et donc en faisant ça, il m'a rajouté des trucs, il m'a rajouté des scripts. Et m'a rajouté un zip. Et en fait, si je vais ouvrir, je vais peut-être pas l'ouvrir avec Nano, ça risque de faire des trucs bizarres. Lib, ah, je suis dyslexique du clavier ce soir. Foo.zip, non, c'est pas ça. Distribution. Foo.zip. On va aller regarder ce qu'il y a là-dedans. Et en fait, il m'a créé un dossier automatiquement avec le bin, le bool.jar, le bool pour Linux et la version pour Windows. Bref, vous avez tout pour lancer une application direct en deux lignes, quoi. Donc,
Donc ça, c'est un petit peu ce que vous allez obtenir avec Gradle de base, c'est-à-dire que si vous suivez les conventions qui existent un petit peu partout dans votre domaine, eh ben, ça va être super facile d'écrire des choses. Mais c'est un script de build. Donc un script au sens noble du terme, c'est-à-dire un scénario d'exécution des tâches. Et ce scénario-là, il n'est pas au hasard, il est vraiment puissant dans le sens où il y a une liste de tâches, un graphe de tâches, et vous pouvez organiser très précisément ces tâches. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Hop, déjà je trouve, est-ce que ça vous va déjà comme une petite intro sur Gradle? Ce que c'est, ce que ça permet. Donc le script que j'ai utilisé ici, c'est un script .gradle, donc un script Groovy. Donc effectivement, souvent en fait, les gens vont dire oui, c'est en fait Gradle, c'est Groovy. Donc Gradle, à savoir, c'est entièrement écrit en Java, mais ça ne permet pas que compiler du Java. Ça permet de compiler un petit peu, en fait, beaucoup de choses. Ça permet de compiler du Java, du Groovy, du Scala, du C++. On a même chez LinkedIn des gens qui ont intégré un système Python. Enfin, bref, il y a plein d'écosystèmes qui se pluguent sur Gradle. Donc Gradle, ce n'est pas un système de build comme Maven qui est, on va dire, centré sur l'écosystème Java. Il est en fait assez ouvert et suffisamment ouvert pour que vous puissiez, vous, aller implémenter votre propre écosystème par-dessus. Donc on a des API, donc c'est plus qu'un outil de build, c'est une toolbox, quoi. C'est quelque chose qui vous fournit tous les outils de base pour pouvoir implémenter de nouveaux langages, de nouveaux écosystèmes dessus. Donc par exemple, si vous avez envie d'implémenter quelque chose qui fait de la résolution de dépendance sur JavaScript à la place de NPM, vous pouvez. Il y a un moteur de résolution de dépendance dans Gradle qui fait ça. Donc qui est assez ouvert pour permettre de le faire. Nous, notre rôle, c'est pas de le faire. Nous, on vous donne des outils qui permettent de le faire. Après, voilà, on a des plugins inclus dans Gradle qui permettent de supporter Java, qui permettent de supporter, alors de base, Java, Groovy, Scala, C++. Je crois que c'est les seuls langages qui sont inclus de base dans la distribution. Je ne me souviens pas d'un autre. Je crois pas. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Alors, je vous ai pas demandé, mais qui fait essentiellement du Java dans... Ouais. D'accord. Il y en a qui font du JavaScript, peut-être. Ok. Scala. Du Clojure, peut-être. On a aussi. C'est long. Est-ce qu'il y en a qui font du Kotlin? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que Kotlin? Ok. Donc, là, je vous ai montré un script Groovy. En fait, Gradle, maintenant, depuis la version 3, supporte un autre langage de script pour écrire des scripts qui s'appelle Kotlin. La différence principale entre les deux, ça va être que Groovy est optionnellement statiquement typé, donc compilé statiquement, alors que Kotlin est statiquement typé depuis le 0. Donc, en fait, on a un langage de script qui est écrit maintenant en Kotlin qui va être très proche du DSL Groovy, de ce que je vous ai montré là, mais qui est complètement statique. Et pour le coup, qui vous permettra d'avoir un support meilleur dans l'IDE, notamment parce qu'on a un partenariat avec JetBrains qui développe le plugin Gradle Kotlin avec nous pour IntelliJ, mais aussi pour Eclipse. Voilà. Donc au niveau des supports de l'IDE, aujourd'hui dans Gradle, on a un support qui est pas mal du tout dans IntelliJ. Il y a le support dans Eclipse. Et il y a un support dans NetBeans, mais qui n'est pas fait par Gradle, qui est fait par la communauté, mais qui est pas mal aussi. Alors pour le coup, NetBeans, c'est uniquement sur Groovy. Moi, comme j'aime bien Groovy, en fait, tous les scripts que je vais vous montrer sont écrits en Groovy. Après, vous avez le choix. Voilà. C'est juste à savoir. Ok. Bon. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet, et puis aller voir un petit peu... ce que c'est que Gradle 3, ce qu'on a amélioré là-dedans, qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire-là. Alors déjà, en fait, j'aime bien ce talk-là parce que ça fait un petit peu plus de 6 mois maintenant que je suis à temps plein sur l'amélioration des perfs de Gradle. Donc une partie de ce qu'il y a là-dedans, en fait, j'étais directement impliqué dans ce développement-là. Donc c'est assez facile pour moi de parler de cet aspect-là, mais pas tout. Donc je vais commencer... une petite précision sur ce qu'est vraiment Gradle et pourquoi. Donc,
Gradle, c'est deux choses. C'est un outil en ligne de commande que je vous ai montré, mais on a aussi maintenant ce qu'on appelle les cloud services, donc qui est quelque chose qui se passe en ligne. Et malheureusement, comme je n'ai pas la connexion Internet, je ne vais pas pouvoir vous montrer directement ce que c'est. Mais si on réussit à avoir une connexion tout à l'heure, je pourrais peut-être vous montrer ce que c'est que le premier de nos services qui s'appelle le build scan. L'idée, c'est d'avoir, à chaque fois que vous faites une build dans Gradle, en fait, toutes les informations sont collectées et pushées sur le serveur, et ce, de manière indépendante d'où la build est exécutée. Donc ça peut être sur votre laptop, ça peut être sur le serveur d'intégration continue. On collecte toutes les informations, toutes les dépendances qui sont dedans, tous les plugins que vous utilisez, c'est pushé, et vous avez une vue unifiée avec tous vos tests exécutés, toutes vos dépendances, vous pouvez faire de la recherche, tout ça. Bref, si je réussis à avoir quelques barres, peut-être que je pourrais faire une démo, mais c'est pas sûr. Donc on va commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est que ce fameux démon Gradle? Alors si vous êtes utilisateur Gradle depuis longtemps, en fait, ceux qui sont passés à Gradle 3, il y en a peut-être qui utilisent déjà Gradle 3. Ok. Et pour les autres qui utilisent Gradle, vous êtes quoi? Version 2 de quelque chose? Il n'y en a peut-être pas en version 1 encore. Ok. Si vous êtes vraiment en version 1, il faut vraiment, vraiment upgrader. Ça va beaucoup plus vite. Donc dans la version 3, ce qui s'est passé, c'est qu'on a activé le démon par défaut. Et il y en a des gens qui sont venus nous voir, ils disent « Ah, oh, mais c'est formidable, Gradle, ça va beaucoup plus vite. » En fait, ça allait déjà beaucoup plus vite avant, sauf que ce n'était pas activé par défaut, donc la plupart des gens ne savaient même pas que ça existait. Donc, dans la version 3, on a activé ce fameux démon par défaut. Et c'est en fait un process, Gradle, qui tourne tout le temps en tâche de fond. Alors après, il y a des politiques d'expiration pour ne pas bouffer toutes les ressources système. Mais il va monitorer des commandes d'exécution de build. Donc à chaque fois que vous allez exécuter une build, en fait, c'est le démon qui va l'exécuter. Donc il y a une ligne de commande, mais elle fait juste que contacter ce serveur-là qui, lui, va exécuter une build. L'avantage, c'est que ce système-là, en fait, il est permanent dans le système. Donc c'est un process Java, et en Java, on sait que plus on exécute une application, plus ça va vite. Et pourquoi ? Parce qu'il y a le JIT, donc le Just-in-Time Compiler, qui est un truc qui est formidable, que les gens du monde C++ nous envient. N'est-ce pas ? Parce que c'est le seul système qui est capable d'optimiser le code à l'exécution par rapport aux données qu'il a réellement. Donc ça veut dire que voilà, il est capable d'éliminer dynamiquement des branches de code parce qu'il sait qu'en règle générale, ce cas-là n'existe pas. Et puis si ça arrive, bon, c'est une fois de temps en temps, on va pouvoir recompiler un autre code qui va prendre en compte le fait que finalement, si ça arrive. Donc en fait, plus vous allez exécuter, plus ça va aller vite. Et donc c'est génial. C'est génial parce que quand on fait des builds et qu'on en fait 50 par jour, on aime bien que ça aille de plus en plus vite. Donc qu'est-ce que ça donne? En fait, là, sur la gauche, vous avez du Gradle sans démon. Et sur la droite, ben, vous avez du Gradle avec le démon. C'est un vrai projet, c'est Mockito, donc c'est un projet qui utilise Gradle pour builder. Donc on voit déjà que de base, avec le démon, il a mis 10 secondes, alors que sans le démon, il mettait que 16 secondes. La différence, en fait, c'est le startup de la VM, principalement. C'est-à-dire que vous allez lancer la VM, Gradle, mais il y a plein de choses à faire derrière. Nous, il faut qu'on initialise notre système. Il va y avoir l'environnement Groovy à initialiser si voilà, on utilise le script Groovy, etc. Donc en fait, il se passe beaucoup de choses au startup de Gradle. Mais en utilisant le démon, on capitalise tout ça, on le fait qu'une seule fois. Et les builds après vont aller plus vite. Donc là, c'est cool, j'ai déjà gagné 6 secondes juste en activant le démon. Mais on peut faire mieux. En fait, à gauche, là maintenant, vous avez la version avec le démon. Mais là, la version sans le démon, je veux dire, mais à droite, vous avez une version où on a exécuté plusieurs fois la build. Donc au fur et à mesure, le JIT rentre en action, il se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont communes, et on est passé de 16 secondes à 5 secondes. Donc vous avez gagné quelque chose qui va 3 fois plus vite, juste parce qu'on a profité gratuitement de ce que sait faire la JVM. Donc souvent, on nous demande pourquoi Gradle s'est écrit en Java, et pourquoi c'est pas un outil natif. Ben là, vous avez une partie de la réponse. En fait, jamais vous avez ça sur un monde natif, ça n'existe pas. Donc bref, si vous utilisez Gradle 3, vous l'avez
gratuitement. Si vous utilisez Gradle 2, vous devez activer en fait le daemon. Et donc si vous allez sur la doc, vous avez une option à ajouter pour activer le daemon. Il y a ça. Et la deuxième raison pour laquelle en fait on ne l'avait pas activé par défaut, c'est que ce n'était pas super stable sous Windows. Est-ce qu'il y en a qui ont la chance de développer sous Windows? Bon, bah, je suis désolé pour vous. Mais en règle générale, voilà, le daemon était particulièrement instable sous Windows, notamment parce que à chaque fois que vous laissiez un fichier à traîner, il y a des locks et vous êtes obligé de redémarrer le système parce que le fichier a disparu, c'est impossible de le supprimer, vous avez bouillé. Donc il y avait des fichiers, des locks qui restaient ouverts. Donc on a travaillé à fond là-dessus et normalement ça n'a, voilà, c'est plus le cas et le daemon est stable même sous Windows. Plutôt cool. Deuxième aspect. Donc nous, en fait, on essaie quand même de vous faire gagner en productivité. C'est notre principal, attrait, je veux dire. Par rapport à un outil comme Maven, lui, alors, son seul et unique but, c'est vraiment, vous rentrez sur le projet, vous savez comment il est organisé, vous lancez la commande et vous êtes à peu près tranquille que vous êtes MVN clean quelque chose, ça devra peut-être marcher. Parce qu'on vous a dit que ça serait le cas. MVN clean, hein, je dis bien, parce que si vous ne faites pas le clean, ça ne marchera pas. Dans Gradle, en fait, non, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on cherche à automatiser au maximum tout. Donc automatiser la compilation, le déploiement, tout. Toute la chaîne de distribution du logiciel. Voilà, il y a un truc que j'aime bien dire, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses que dans Gradle que certains mavenistes n'aiment pas du tout. Notamment le fait que ça soit un build script, donc que ça soit du code. Il y a beaucoup de gens que ça choque. Beaucoup de gens parce qu'ils nous disent « mais ça veut dire que je peux écrire du code dedans, donc je peux faire n'importe quoi ». Oui, tu peux faire n'importe quoi. C'est vrai. Est-ce que c'est un problème? Moi, j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu pour plusieurs raisons. La première, c'est que Gradle, on te pousse quand même à utiliser les conventions d'abord, et ensuite à rajouter du code si jamais il y a des choses que tu ne peux pas faire avec ces foutues conventions qui te bloquent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pourquoi on n'exigerait pas de son outil de build la même qualité que pour tout le reste dans le développement logiciel. Il n'y a aucune raison. Donc il n'y a pas de raison que votre build ne soit pas testable. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de test de cette build-là. C'est possible de le faire. Bref. On est des ingénieurs, en règle générale, notre boulot c'est quand même de faire du code et de générer des choses qui marchent et qui sont optimisables. Donc quand on sait qu'on va passer plusieurs heures par jour à compiler, ça vaut le coup d'optimiser son process de build. Donc en fait dans Gradle, on a deux grosses catégories d'utilisateurs. On a des gens qui travaillent dans des boîtes monstrueuses avec plusieurs milliers de développeurs et puis en fait ils ont une équipe dédiée au build et ils font des scripts de build et les optimisent et ainsi de suite. Et puis autrement on a la catégorie, j'ai envie de dire, utilisateur lambda type GitHub qui a son petit projet open source et qui utilise Gradle comme ça parce que ça marche très bien. Donc on a les deux. Mais comme nous on veut forcer à l'engineering de la build, donc pouvoir optimiser le process d'automatisation, on a besoin d'outils pour ça. Et donc le premier, c'est le --profile qui va permettre de savoir pourquoi votre build met 4 minutes alors que Java C il met 10 secondes. Donc parfois on a des problèmes comme ça et on ne sait pas d'où ça vient. Donc le --profile, c'est quelque chose qui existait dans Gradle depuis le début. Ça vous sort un rapport dans un dossier où on sait il a passé tant de temps à résolution de dépendance, tant de temps à compiler, etc. Mais c'est quelque chose qui est local. C'est sur votre poste et vous ne pouvez pas en faire grand-chose finalement. Donc là, c'est pour ça qu'on a sorti ce qu'on appelle les build scans. Donc là, l'image est un peu petite. Et c'est ce fameux truc qui est disponible sur le cloud. Donc en fait, vous exécutez votre build, mais en ligne, vous avez un outil qui vous permet d'analyser précisément ce qui s'est passé. Alors, c'est là que ça va être rigolo parce que je vais essayer de passer un... Ah non, mais j'ai 0 bar. Donc je vais pas le faire. J'essaierai plus tard, hein, parce que des fois, je vois que j'arrive à 3 barres de temps en temps. Mais... C'est un booker, en fait. C'est vrai. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais bref, allez voir, parce que cet outil-là, en fait, déjà, c'est gratuit, hein, je ne l'ai pas précisé,
Mais de base, en fait, donc vous pushez, il y a juste à appliquer un plugin et ça permet de pusher ça sur le cloud. L'avantage, c'est que, alors combien de personnes à chaque fois, genre j'ai une exception, je ne sais pas d'où ça vient, ça plante, et qu'est-ce que vous faites en règle générale? Il y a une stack trace, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, copier-coller, on envoie à l'expert de la boîte, il sait quoi? Ah, mais tu m'as pas envoyé l'exception en entier. Ah mince, bon, alors en email ou en Slack ou genre je ne sais pas quoi. En fait, avec les build scans, vous n'avez pas besoin. Parce que vous avez une URL, vous filez l'URL et puis il y a toutes les infos dedans. La stack trace, exactement le log complet de tout ce qui s'est passé dans la build. Toutes les dépendances qui ont été résolues, l'environnement, c'est du Windows, il y avait tant de RAM, il y avait tant de mémoire allouée à Gradle, etc., etc. Donc c'est de l'engineering, c'est-à-dire que c'est des outils qui vous permettent de débugger et de savoir ce qui se passe. Donc là, on ne le voit pas bien sur ce screenshot, mais voilà, toutes les tâches qui sont exécutées dans Gradle, on les voit. Donc je ne vais pas pouvoir montrer, mais si vous allez, alors s'il y en a qui ont accès à Internet, miraculeusement, ils peuvent essayer cette URL-là. Si vous allez sur scan.gradle.com, de toute façon, vous avez quelques projets open source, donc là j'avais pris Groovy évidemment, qui ont des build scans d'exemples, donc ça permet de, vous pourrez voir, vous pouvez rechercher dans les dépendances, savoir quelle dépendance a été remplacée par quelle autre, etc. etc. Et dans ces build scans, vous avez un onglet en particulier qui est super intéressant, qui est l'onglet performance. Et là, vous dire, ah bah, en fait, vous n'aviez pas le daemon d'activer, donc c'est pas cool. Ou alors, vous faites de la résolution de dépendance pendant la phase de configuration. Alors ça, normalement, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Bref, il va vous donner des idées sur ce qui ne va pas bien dans votre build. Et donc, vous allez pouvoir corriger ces problèmes. Et surtout, vous allez pouvoir partager cette information avec tout le monde. Donc, savoir, est-ce que c'est... sur mon poste ou est-ce que c'est sur Jenkins, bah en fait on s'en moque. Donc il y a aussi un plugin pour Jenkins qui active ces scans si jamais vous vous posez la question. Donc c'est assez pratique pour ça. Donc comment on fait pour créer un build scan? Bah, en fait dans mon script Gradle, ce que je vais faire c'est juste rajouter un plugin, donc plugin ID Gradle Bean Scan. La version je ne l'ai pas mise à jour mais maintenant on en est à la 1.1. Il faut dire oui merci j'accepte les termes service. Hop, et puis en fait derrière on a juste à lancer son Gradle avec un -d scan. Et voilà. Et en fait à la fin il va vous générer cette URL là. Donc il n'y a rien de plus simple en fait. C'est vraiment trivial de rajouter un build scan. Et donc de pouvoir partager typiquement, voilà, j'ai une erreur de compile, je suis perdu. Au lieu d'aller faire le copier-coller de la stack trace, vous remplacez ça par l'URL et c'est terminé. Gradle W, ça vous dit quelque chose? Gradle Wrapper? Donc pour ceux qui font déjà du Gradle, si vous n'utilisez pas le Gradle Wrapper, vous faites une erreur. Alors qu'est-ce que c'est que le Gradle Wrapper? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est un truc qui est tellement bien que c'est copié par les gens de Maven maintenant. Alors qu'est-ce que c'est? À la base, l'idée c'est de dire... Je vais aller mettre dans mon repo guide, dans mon repo SVN ou je sais pas ce que je veux, enfin peut-être qu'il y en a qui sont encore sous CVS, hein, je ne juge pas. Vous allez mettre un fichier qui s'appelle Gradle W plus en gros un point properties qui va dire quelle est la version de Gradle qu'il utilise. Donc quand vous faites le checkout du projet, vous n'avez pas besoin d'avoir Gradle installé. Donc il va récupérer et s'il se rend compte que votre version Gradle locale que vous avez installé, en fait, c'est pas la même, il va télécharger automatiquement à partir d'une URL et compiler en utilisant cette version de Gradle. Donc, comme la version de Gradle est dans les sources de votre projet, on n'a pas le problème qui arrive typiquement, qui est, bah, en fait, j'ai buildé avec la version 1.5, alors qu'en fait, mon collègue, c'était sur la version 1.6, et j'avais des versions de plugins qui étaient différentes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, vous loquez la version de Gradle dont vous avez besoin pour builder. Et comme elle est validée, c'est bon. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième, c'est que cette URL, elle est complètement customisable. Et donc, notamment, c'est un zip qui va chercher. Donc, ça veut dire, si vous êtes dans un environnement d'entreprise où, en fait, vous avez besoin de rajouter des conventions par défaut, ou alors d'ajouter des plugins dans la distribution de Gradle, des plugins qui ne sont pas open source, et que vous n'avez pas envie d'aller configurer toutes les builds pour aller taper sur un repository externe, vous pouvez créer des distributions custom de Gradle et avoir ça qui est récupéré de manière automatique. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique.
Donc évidemment, il ne télécharge qu'une fois, il ne va pas télécharger à chaque fois, il met ça en cache, etc. etc. Donc moi, en règle générale, je dis, si vous n'utilisez pas le wrapper, c'est que vous faites quelque chose de pas bien. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous ne pouvez pas garantir la reproducibilité des builds. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas garantir que la personne qui va faire le checker de vos projets va utiliser la même version de Gradle que vous, vous aviez prévu. Parce que personne ne lit les README. C'est ça. Donc une fois que j'ai fait voilà, mon truc, en fait à la fin il me génère une petite URL comme ça et puis ça va publier sur en fait hein, il a publié sur le build scan, vous avez juste à cliquer sur le lien et puis c'est terminé. Donc bref, allez voir les build scans, c'est top. Alors maintenant on va rentrer dans vraiment les grosses différences entre Gradle et les autres outils de build en termes de performance. Gradle, de base, est conçu pour être incrémental. Incrémental, ça veut dire plein de choses. La première chose, c'est les builds incrémentales. Les builds incrémentales, ça veut dire je fais une première exécution, Gradle build, je modifie 2-3 fichiers quelque part, je refais Gradle build, qu'est-ce qui se passe ? En règle générale, je n'ai pas envie de recompiler tous les sous-projets si jamais rien n'a changé dans un sous-projet. Je n'ai pas envie d'aller régénérer les ressources si jamais les ressources sont déjà disponibles dans le dossier de sortie. Donc ça, c'est l'aspect incrémental. C'est-à-dire se rendre compte que des choses n'ont pas changé. Donc, quand je dis ça, que faire un clean, c'est une perte de temps, c'est vraiment ça. Avec Gradle, vous oubliez ce réflexe conditionné qui est de mettre clean devant toutes les commandes. C'est terminé, vous n'avez plus besoin de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est suffisamment intelligent pour savoir quelles sont précisément les entrées-sorties de chaque tâche. Et s'il n'est pas suffisamment intelligent, vous allez lui expliquer. Vous allez lui dire, les entrées c'est ça, les sorties c'est ça. Et donc ça va avoir un effet concret, c'est-à-dire que quand vous allez exécuter deux fois de suite la même tâche, vous allez avoir un petit truc qui va s'afficher, qui va vous dire « up to date ». Donc si je reprends mon petit exemple de tout à l'heure, on va reprendre la première fenêtre. Celui-là, en fait, je n'en ai plus besoin. Donc là, j'ai pas touché à mon application de tout à l'heure, mais j'avais fait un Gradle 10-zip. Si je le réexécute, il m'affiche ça « up to date »,« up to date »,« up to date », etc., etc., etc. Donc ça veut dire qu'il n'a rien eu à faire. Donc je peux le lancer plein de fois, up to date. Bon, maintenant, je vais aller modifier ma source. Hop. Et puis, on est en Bretagne, donc on parle français, on ne parle pas breton. Je vais dire bonjour. Je régénère. Hop. Donc là, il n'y a plus d'up to date. Mais par contre, il s'est rendu compte que je n'avais pas de ressources, donc que j'avais rien à processer. Et si je n'avais pas changé mes ressources, si j'avais des ressources et que je ne les avais pas changées, il n'aurait pas fait ça. Donc en fait, de base, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se rend compte, il connaît toutes les entrées-sorties de toutes les tâches. Et donc, il va exécuter uniquement le strict nécessaire à chaque fois. Donc ça, c'est l'aspect build incrémental. Je peux peut-être essayer de vous montrer, un petit peu de temps, essayer de vous montrer comment vous pourriez déclarer une tâche perso. Hop, donc je vais aller créer une tâche perso. Donc je vais faire tâche, task, et puis je vais l'appeler, grit. Et derrière, je vais mettre un petit bloc qui s'appelle doLast. Je vais vous expliquer après ce que c'est que ces doLast. Et derrière, on va faire hello. Donc ça, c'est une tâche Gradle en ligne. Donc quand je vous expliquais tout à l'heure que vous pouvez mettre du code dans votre build, c'est ça. Il y a des gens qui détestent ça, qui me tueraient pour le faire. Il ne faut pas s'inquiéter, parce que même si vous commencez par ça, en fait, Gradle va vous permettre d'extraire des plugins quand même et d'en faire des trucs relativement simples et propres. C'est-à-dire que il n'y a pas à paniquer, on peut faire des choses propres aussi. Le seul intérêt de ce que j'ai fait là, c'est je fais Gradle grit. Il m'affiche le hello, très bien. Mais j'ai pas de up to date ici, j'ai rien qui s'est passé. Donc ce qu'on va faire,
c'est déclarer une entrée. Et puis on va faire dire que c'est la propriété qui s'appelle, on va dire name. Non, il ne faut pas que je l'appelle name parce que ça va peut-être rentrer en conflit avec le project name. Donc on va faire, je ne sais pas moi, salutation. Faire un petit hop, salutation. Et comme c'est. J'ai fait quoi ? Salut la chaîne. J'ai oublié quoi ? Heureusement qu'il y en a qui suivent. On va faire project get property salutation. Hop là. Alors je fais ça vraiment totalement de mémoire. Je suis pas sûr que la syntaxe soit exactement ça, mais non, je me suis planté évidemment. Property, voilà. C'est en fait, il faut que je lui donne le nom, il faut que je lui dise quand même où aller la chercher. Donc c'est project get property. Salutation. Parce que je pourrais très bien définir que c'est une propriété. En fait, c'est propriété au sens. C'est une propriété de ma tâche, parce que là, c'est du code Groovy. Et je définis une tâche ad hoc. Donc, c'est pas du Java, c'est rien. J'ai pas une super classe. J'ai pas des membres. Donc, en fait, salutation, je peux aller le chercher où je veux. Si je veux que ça soit un contenu d'un fichier, je peux aller le chercher. Si je veux que ça soit une variable d'environnement, je peux la chercher. Bref, inputs.property. Je lui dis qu'en fait, j'ai un truc que je vais appeler salutation qui s'appelle une system property. Et donc là, ça va m'afficher rien du tout parce que je n'ai pas la propriété de défini. Et en fait, il faut que je fasse p salutation égale salut. Hop, et ça me l'affiche. Toto. Le problème, c'est si que j'exécute deux fois de suite, voilà. Typiquement, il va être obligé de réexécuter à chaque fois. Il ne connaît pas en fait les sorties. Bon, il y a toute une API qui vous permet de définir précisément les entrées-sorties des tâches. Donc quand vous faites ça, après ça devient up-to-date, il n'y a plus rien à faire. Ce que je voulais quand même vous dire, c'est cet aspect do-last. L'aspect do-last, c'est important dans Gradle. C'est, il y a deux phases en fait. Dans Gradle, il y a la phase de configuration et la phase d'exécution. Si vous oubliez ce do-last, là, ce qui se passe, c'est que ça va s'afficher tout le temps, même si on n'exécute pas la tâche. Parce que c'est quand on la configure que ça se passe. Donc, si vous faites le doula, c'est vraiment quand on exécute la tâche que ça apparaît. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas ce qui est intéressant pour cette conf. Si je vais trop vite, il faut me dire. Ça va ? Ok, donc je vous parlais de ces inputs, input-output, et donc on va aller voir comment on déclare tout ça de manière propre. Et donc là, j'ai pris un exemple bête. Je me suis dit, bah tiens, souvent en fait dans les projets, on voit un shaded jar. Alors c'est pas le fat jar. Fat jar, c'est à peu près la même chose, mais vous voyez ce que c'est qu'un fat jar ? Ouais, c'est, en fait, on prend toutes les dépendances, on les colle dans un même jar et puis voilà, on merge les ressources, tout ça. Le shaded jar, c'est pareil, sauf que souvent on va vouloir remapper des packages, donc dire tout ce qui était dans org apache machin, en fait, je le colle dans un autre package pour éviter des conflits de classe pass. Souvent, c'est pour ça qu'on fait ça. Bref, bah là, je vais dire, bah, je vais créer une tâche qui va s'appeler shaded jar, qui va être de type shaded jar. Et puis, elle a trois propriétés. Jar file, qui est l'entrée. Class pass. Jar file qui est la sortie, pardon. Class pass, qui va être bah, ce que je veux bundler dans un seul jar. Et puis derrière, mapping, qui va justement me dire, tu remappes tout ce qui est dans org apache vers shaded machin. On se moque totalement de l'implémentation de ce truc-là. Ce qui m'intéresse là, en fait, c'est les entrées-sorties. Parce que vous, en tant que développeur, et en tant que d'utilisateur de cette build, vous savez précisément ici quelles sont les entrées-sorties de cette tâche-là. Vous savez ce qui devrait se passer si jamais, en fait, le classpass change. Il faudra exécuter la tâche. Vous savez ce qu'il faut faire si jamais la sortie a disparu. Donc si ce jar n'existe pas, on sait qu'il faut aussi réexécuter. D'accord ? Donc c'est une tâche custom, mais vous, en tant que développeur, vous savez quelles sont les entrées et les sorties. Donc si vous le savez, déclarez-les. Parce qu'à partir du moment où vous le savez, eh ben, vous allez pouvoir expliquer à Gradle et il va devenir incrémental. Donc là, c'est juste un exemple. Je prends ma fameuse propriété ClassPass,
Et en fait, ce truc Shaded Jar, c'était écrit en Java, pas en Groovy, en Java. Donc en Java, bah, je vais avoir une méthode qui va s'appeler getClassPath. Et j'ai juste à la noter par InputFiles. Et en fait, ça retourne une file collection qui est un type de données dans Gradle, mais ce n'est pas le plus important ici. C'est juste dire que c'est marqué comme étant une input. Et c'est InputFiles. Donc il va savoir que c'est une collection de fichiers qui sont les entrées de ma tâche. Et donc si jamais un de ces fichiers change, il faut qu'il la réexécute. Pareil, en fait, ma map, là, mon mapping, en fait, bah, c'est une map et qui est une entrée. Donc, @input, j'ai déclaré mon entrée. Donc, c'est super facile de déclarer ces entrées-sorties. Et on peut le faire en Java, on peut le faire en Kotlin, on peut le faire en Scala. Quel que soit le langage que vous utilisez pour implémenter votre tâche, c'est disponible. Et donc là, j'ai déclaré mes entrées, mais je vais aussi vouloir déclarer ma sortie. Et donc, ma sortie, c'est un seul fichier, qui est le jarfile. Donc, je vais déclarer, ceci est une sortie. Et grâce à ça, bah, si vous exécutez deux fois de suite Shaded Jar, la deuxième fois, il fera rien. Et donc, tout bénef, vous avez gagné du temps. Donc, bref, quand je dis que, voilà, quand je dis que Gradle, c'est ça, c'est une API pour permettre de gagner du temps, de faire des choses proprement, c'est un exemple parmi d'autres. Mais en matière d'incrémental, en fait, on peut faire mieux que ça. On peut faire typiquement ce que fait Eclipse. Eclipse, il a un compilateur Java particulier qui sait faire de la compilation incrémentale. Donc dans Gradle, il y a aussi un compilateur Java incrémental. Il est uniquement disponible pour Java, il n'est pas disponible pour Groovy, il n'est pas disponible pour Scala, il n'est pas disponible pour Celon, bref. Donc uniquement pour Java pour l'instant, mais vous avez les API qui vous permettent de développer, vous, un compilateur incrémental. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire à partir d'un ensemble de fichiers source, j'en modifie un dedans. En règle générale, si vous faites ça avec Java C, sauf, enfin, si vous faites ça avec Maven ou n'importe quoi, si vous ne précisez pas le fichier qui a été modifié, il faut tout recompiler. Et donc c'est une perte de temps totale. Vous allez recompiler des tonnes de fichiers alors que vous n'avez pas besoin. Là, en fait, en mettant juste une option incrémentale, Gradle, il va se rendre compte qu'il y a juste un fichier qui a changé, mais vous n'avez pas besoin de dire lequel. C'est lui qui va faire le travail. Donc il va regarder, c'est que ce fichier-là qui a changé. Il va recompiler ce fichier-là, mais il va aussi recompiler les fichiers qui dépendaient de celui-là. Donc vous avez des dépendances binaires entre les classes. Parce qu'une classe toute seule, c'est gentil, mais mon exemple, il était un peu bête, quoi. Une classe toute seule dans son coin, elle ne fait rien. Il y a toujours des interactions avec d'autres classes. Donc, il faut recompiler celle-là aussi, si les API ont changé. Uniquement dans ce cas-là. Ça va? C'est clair? Donc, bref, la compilation incrémentale, c'est un truc qui est super pratique pour gagner du temps, mais c'est totalement dépendant du langage que vous utilisez. Alors, une des raisons pour laquelle on ne le fait pas en Groovy, ceux qui connaissent Groovy savent qu'il y a des transformations d'arbres syntaxiques qui sont effectuées. Et certaines d'entre elles sont dites des transformations globales. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un jar sur ClassPath avec une transformation globale, et en gros vous êtes perdu parce que vous ne savez pas ce qu'elle fait. Vous ne savez pas ce que fait cette transformation. Donc elle pourrait très bien, même si vous recompilez, elle pourrait vouloir faire quelque chose sur des fichiers qui n'ont pas été modifiés. Donc on pourrait le faire moyennant des restrictions en disant oui, bon. Je suis un grand garçon, je sais que j'ai pas modifié tel truc, donc je passe en mode incrémental. Bref, c'est possible de le faire, mais on ne l'a pas fait. Et s'il y a des candidats pour le faire, on accepte les pull requests. C'est un projet open source. Donc comment j'active ça? Eh ben, en fait, tout à l'heure, quand j'ai lancé mon projet test, je vous ai montré qu'il y avait une tâche qui s'appelait Compile Java. Donc en fait, on va configurer cette tâche-là, on va faire Compile Java. Et puis elle a un truc qui s'appelle Options, et dedans. C'est les options de compilation, et puis il y a un truc qui s'appelle incrémental, donc dire incrémental true. Donc c'est pas activé par défaut, parce que c'est ce qu'on appelle dans Gradle, c'est quelque chose qui s'appelle incubating. Donc ça a été incubating, je sais pas, pour au moins, ça doit faire 2-3 ans que c'est déjà dans la base, qu'on a plein de gens qui l'utilisent, mais on n'a pas enlevé cette annotation incubating, parce que pour nous, le travail n'est pas terminé. On a encore des cas à la marge qui ne fonctionneraient pas. Et en règle générale, voilà, on n'aime pas trop sortir des trucs qui ne sont pas prêts, mais pour 99% des utilisateurs, c'est bon. Donc, ayez pas peur, essayez-le.
Et si ça se trouve, vous allez gagner un temps fou, en fait, à faire ça. C'est le compilateur d'Eclipse ou c'est un compilateur de... Non, c'est notre compilateur à nous. Donc ça utilise, oui, ça utilise Java C classique. Ça utilise Java C, mais par contre, on fait, en fait, comme on sait où il génère les points classe, une fois qu'il a compilé les points classe, on peut aller analyser by code pour faire vérifier les dépendances entre les classes, un truc comme ça. Donc ça, c'est... Ça marche avec... Oui, n'importe quel compilateur. Même IBM, ça marcherait. Voilà, donc après, toujours dans l'histoire de gagner du temps, bah, ce fameux build continu dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'était mon exemple de cette présentation-là. Et donc toujours, bah, on évite de faire du clean qui sert à rien. Mais par contre, je sais que je vais tout le temps lancer la même tâche. Tout le temps, ça va être build, ça va être tout le temps. Ici, c'était mes slides et j'ai une tâche qui s'appelle ASCII Doctor qui me prend mes sources ASCII Doctor et qui me génère du ASCII, enfin qui me génère en l'occurrence du HTML. Et ce truc-là, bah, quand j'écris mes slides, c'est quand même pratique, je modifie, je fais save et j'aimerais bien que je n'ai pas à aller relancer la tâche automatiquement. Donc en fait, il monitore les changements en tâche de fond et comme il connaît les entrées-sorties, bah voilà. Si je modifie un fichier ASCII Doctor, il va recompiler. Par contre, si je modifie un point Java, comme j'exécute ASCII Doctor cette tâche-là, il ne va pas s'amuser à aller recompiler le Java. Ça n'a aucun intérêt. Donc il va, encore une fois, faire le strict nécessaire pour gagner du temps. Donc je fais CTRL-S et pouf, c'est mis à jour. Donc il existe des plugins, notamment pour ceux qui connaissent Ratpack. Il y a un plugin dans Ratpack qui fait ça exactement. Donc, vous modifiez votre serveur Ratpack, vous faites un CTRL-S, et en fait, votre page, elle est rafraîchie automatiquement. Tout est embarqué. Donc, il y a des API pour vous permettre de vous plugger là-dedans. Ça, c'est vraiment bien. Je l'utilise super souvent. La seule limitation, c'est que c'est pour les tâches répétitives, donc quand vous faites tout le temps la même tâche. OK. Donc là, je vais arriver aux exemples... plus précisément de Gradle 3.1. Et un truc qui va, je pense et j'espère, complètement changer la façon de vous développer vos applications. Alors, je m'explique. Donc, les build composites. L'idée des build composites, c'est de dire, vous avez tous des projets qui sont composites de facto. Je pense que vous avez tous des projets multimodules. D'accord ? Donc vous avez un projet Maven, typiquement, et puis dedans vous avez des sous-modules, chacun étant un sous-module Maven, etc. Soit vous avez ça, soit vous avez l'autre approche, donc ça c'est ce qu'on appelle l'approche monorepo, et vous avez un repository Git, et dedans vous avez plein de modules, plein. Alors, on est des clients, plein ça veut dire plein, hein, c'est-à-dire qu'ils ont 10 000 sous-modules. D'accord ? Donc vous importez ça dans Eclipse, vous imaginez ce que ça donne. OK ? 10 000 sous-modules. Donc ça existe. Il y a des gens, ils font ça. Je ne juge pas. Vous avez l'autre approche, qui est l'approche multi-repo. Et celle-là, c'est de dire, non, je me suis fait avoir une fois dans ma vie, j'ai bossé dans une boîte où il y avait 10 000 sous-modules, je vais faire 10 000 repos. D'accord ? Ça marche ! Je ne juge pas. Faites vos choix. Les deux ont des inconvénients et des avantages. Si vous avez un monorepo et que vous faites un changement dans un sous-module et que vous avez une dépendance dans l'autre repo, en règle générale, ça ne se passe pas trop mal. Vous allez devoir recompiler. Bon, ça va à peu près. Par contre, si vous importez ça dans l'IDE, c'est juste une catastrophe. C'est inutilisable. Parfois, vous avez... C'est vraiment des questions de développement, mais... Avec Maven, typiquement, si vous avez une build un peu longue, vous faites un enregistrement dans un module qui est utilisé par beaucoup, il compile, tout va bien, vous avez trois modules qui vont utiliser la version qui est compilée, puis d'un seul coup, pouf, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher dans le repo distant un snapshot. Vous ne savez pas pourquoi. Et ça, c'est parce que vous avez dépassé le timeout qu'utilise Maven pour dire, en fait, passer un certain temps, les snapshots, puis plus récent que ce que j'ai en local. Donc je vais aller chercher sur le serveur. Même si en fait il est plus ancien en pratique. Donc il y en a plein de gens qui se font avoir par ça. Ils croient que les multimodules ça marche en Maven, ça marche pas. Il faut le savoir. L'autre approche, multi-repo, c'est pratique, ça vous permet de bien segmenter vos projets. Par contre,
c'est super contraignant au niveau du développement. C'est-à-dire que si vous travaillez sur une dépendance, que vous la modifiez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout redéployer. Il faut aller déployer sur un Nexus, sur un Artifactory, aller pusher. Après, vous faites hop, on reprend le projet, resynchronisation de l'IDE parce que le snapshot a changé, etc., etc. Bref, ça marche. C'est plus clean en termes de process, mais c'est super contraignant pour le développeur. C'est pas pratique. Donc en règle générale, c'est ça qui se passe. Vous avez des gros projets avec plein de sous-modules, mais vous, en tant que développeur, il y en a peut-être deux qui vous intéressent dans tous ces modules-là. Les deux sur lesquels vous bossez. Et tout ce que font les autres, on s'en moque en gros. D'accord? Le build composite, ça va vous permettre d'obtenir le meilleur des deux mondes. Et de dire, je vais pouvoir migrer une build multimodule vers une build multi-repo si ça m'intéresse, mais je vais pouvoir aussi faire l'inverse. Mais surtout, je vais pouvoir composer tout ça de manière très très précise. Donc, je vais faire un exemple après, là. Une petite demi-heure, ça vous va là? Encore? Ouais. Je vais vous donner un exemple. En fait, je vais avoir un projet qui va avoir des dépendances. Donc, c'est un projet multimodule, mais qui va être composé. Il va être composé de deux sous-modules locaux et d'un sous-module externe qui est chez Apache. Donc, Apache Commons. D'accord? Vous êtes développeur, vous êtes embêté parce que vous avez trouvé un bug dans Apache Commons. C'est super chiant. C'est une dépendance transitive, mais vous avez trouvé un bug. Qu'est-ce que vous faites? En général, il y a la moitié qui pleure. L'autre moitié à dire, bon, bah allez, hop, je suis un super héros, je vais aller forker, je vais soumettre une pull request. 6 mois après, vous avez peut-être une chance que quelqu'un vous sorte le patch, sauf que votre chef de projet, voilà, le bug, il arrive en prod à 23h30 un vendredi, et puis il dit, non, je veux le fixe. Donc vous allez copier le projet dans un sous-module, et puis vous allez le builder, et puis vous allez commencer à maintenir votre propre fork. OK. C'est pas top. Donc là, on va voir comment avec Gradle, vous allez pouvoir remplacer cette pratique-là, c'est-à-dire temporairement, Apache Commons, qui est une dépendance transitive, je vais la remplacer par une dépendance source. Je vais faire comme si c'était un projet local. Je vais modifier ce truc-là, et derrière, ça va compiler, et ça va me remplacer les dépendances transitives. C'est-à-dire qu'il va faire comme si c'était un projet local, comme si c'était un module. Hop. Donc la petite démo, on y va. Donc bah là, c'est mon ASCII d'acteur, on s'en fout un peu. Je vais pas quitter mon serveur sinon je vais avoir du mal derrière. Et je vais aller dans un dossier qui s'appelle Composite Build. Donc si vous allez dans Gradle 3.1, que vous prenez la distribution, vous avez tout un dossier de sample avec plein d'exemples de Composite Build. Pas seulement l'exemple que je vais vous montrer là. En fait, il y a plein de use cases différents. Donc là, comme voilà, il fallait que j'en choisisse un, j'ai choisi celui-là. Et donc, hop, dans Composite Build, je vais aller dans l'exemple qui s'appelle Hierarchical Multi-Repo. Et j'ai un multi-repo app. Et comment il fonctionne celui-là? Alors, j'ai un fichier qui s'appelle settings.gradle qui permet en fait traditionnellement dans Gradle, le settings.gradle, c'est lui où vous déclarez tous vos sous-modules. Et vous pouvez leur dire, ouais, vous pouvez tweaker, où est-ce qu'il va chercher les fichiers de build pour les sous-modules, etc., etc. Là, ce n'est pas ce qui m'importe. Ici, en fait, ce fichier de module, il est généré et écrit de façon à pouvoir dynamiquement trouver tous les modules. Donc en fait, ce qu'il fait, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Groovy, c'est qu'il va aller regarder dans le dossier module que j'ai là. Il va faire un list. Donc dedans, j'ai des sous-dossiers. Et puis pour chaque sous-dossier, il va considérer que c'est un morceau de ma build. Donc un des composants de ma build composite. Donc, si je regarde dans module, pour l'instant, j'en ai trois. Et j'en ai un qui s'appelle Commons Lang. En fait, le Commons Lang qui est là, c'est vraiment, j'ai fait le checkout de ce projet-là, qui est un projet Maven. Je l'ai importé, donc j'ai fait le checkout, et puis j'ai utilisé une commande Gradle qui convertit le pom.xml en build.gradle. D'accord? Donc je ne peux pas vous le montrer en live parce que je n'ai pas de connexion Internet.
Mais vous pouvez me croire, et si vous ne me croyez pas, j'ai fait, hop, je vais pouvoir vous montrer le clone machin. Donc la commande, elle était là, donc j'ai fait un git clone dans module commands lang. Et derrière, Gradle, hop, je lui dis où est mon dossier. Je lui dis de ne pas regarder ce qui se passe avant, et la commande, c'est init, et il va reconnaître qu'il y a un pom.xml et le convertir. Donc si je vais voir dans ce dossier-là, module commands lang, dedans j'ai bien le build.gradle, mais il m'a gardé le pom.xml parce qu'il est gentil. Et en fait, ça a été écrit de manière automatique par Gradle, par le Bluetooth conversion. Donc si vous avez des builds Maven pas trop compliqués, vous pouvez vous baser sur Gradle Init pour faire une grosse partie du travail pour vous. Là, vous aurez besoin de tweaker, c'est si vous utilisez des plugins un petit peu particuliers. Il va falloir trouver les équivalents dans Gradle, etc. Enfin bref, pour des trucs pas trop compliqués, ça va bien se passer. Hop. Donc voilà. Donc là, en fait, ça veut dire que dans mon projet, j'ai trois sous-modules. Et en fait, ces trois sous-modules-là sont totalement indépendants les uns des autres. Ils pourraient être dans des repos Git séparés. Ils pourraient être dans le même repo Git. On s'en moque. Ils sont chacun développés de manière indépendante. J'aime bien d'accord que moi, j'ai pas de pouvoir sur Commons Lang. Donc, si je lance Gradle Run sur ce projet composite, on va voir qu'il va se passer quelque chose. Hop, il détecte que c'est une build composite. Et j'ai trois sous-projets. Donc, NumberUtils, Commons Lang et StringUtils. Vous allez me dire, mais d'où il a cherché le Commons Lang qui est là? Donc, c'est un sous-projet, d'accord, qui est dans module. Mais pour autant, dans mes modules qui sont là, en fait, j'en avais un qui s'appelait NumberUtils. Alors j'ai une chance sur deux de me planter. Et je me suis planté. C'est l'autre. C'est StringUtils. Hop. StringUtils, il dépendait de CommonsLang 3.4. Mais je l'ai remplacé par une dépendance source. D'accord? Donc il s'est rendu compte qu'il avait une dépendance vers Commons Lang, mais comme il connaît le group ID et l'artifact ID de Commons Lang, parce qu'il a les sources et que c'est devenu une build Gradle, il sait comment le remplacer. Mais ce qui est super puissant, c'est que vraiment, ça marche, même si c'est pas une dépendance directe. Donc si c'est une dépendance transitive, ça va marcher aussi. L'autre intérêt, que je peux pas vous montrer parce que j'ai pas le temps, mais ça marche aussi avec les générations du projet dans l'IDE. Donc, vous allez faire Gradle IntelliJ, Gradle IDEA, Gradle Eclipse, et va vous générer un projet qui va uniquement contenir ces trois modules. D'accord? Maintenant, ah, il est tard. Je voulais vous montrer, ouais, donc je peux relancer mon... pop, je voulais pas faire un GL. Bon, c'est pas grave, ça marche pareil. Il me fait là, voilà, 42. Maintenant, j'ai de la chance, Apache Commons a sorti la version patchée. Donc, j'en ai plus besoin. Donc, ce que je fais, module Commons, je lance et c'est terminé. Donc là, il a relancé la build, mais il est repassé d'une dépendance source à une dépendance binaire. Donc vraiment, vous n'avez rien à faire. Là, c'est par magie. Voilà. Mais la magie, elle est dans le settings.gradle. C'est parce que je lui ai dit, tout ce qui est dans ce sous-dossier module est un composant de ma build. Donc c'est assez, voilà, c'est assez puissant, puisque ça vous permet vraiment de remplacer tout ce qui est dépendance binaire par des dépendances sources. Et il y a aussi le moyen de faire l'inverse. C'est-à-dire des dépendances sources, de les remplacer par des binaires. Ce qui peut être pratique, si jamais vous travaillez effectivement que sur un sous-ensemble d'un projet. Ouais. Il s'en fout du coup du numéro de version. Oui. Oui. Il suppose que c'est ça que tu veux utiliser parce que de toute façon tu as les sources. Donc il va dire c'est ça. Et si jamais c'est pas le cas, bah, de toute façon il faut lui expliquer. Mais... donc là, c'est... en fait, c'est vraiment. C'est... Si vous composez ça avec le système de gestion de dépendance de Gradle qui est super puissant, c'est juste une killer feature. Alors, juste donner un exemple,
Il y a probablement des gens qui ont déjà eu le problème d'avoir Google Collections qui a été renvoyé à renommée en Guava. D'accord? Comment vous réglez ça avec Maven? Ouais, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de main. Donc en fait, dans Gradle, le système de gestion de dépendance va vous permettre de remplacer une dépendance qui s'appelle Commons Collection par Guava. Vous allez dire dans le vide, mais en fait, si tu rends compte que tu as un Artifact ID qui est un Google Collections, en fait, non, ça a été renommé, ça s'appelle Guava. Donc, ça participe dans la gestion de dépendance de conflit de Guava, et donc on va prendre Guava à la place de Collections. D'accord? Donc, tu peux faire ça, et tu peux remplacer aussi dans le sens inverse. Bref, c'est super puissant. Et vous pouvez aussi dire, vous pouvez lui expliquer, si jamais j'ai un conflit de résolution, voilà, pète. C'est-à-dire, je veux que ma ville pète si j'ai quelque chose qui a un conflit dans les dépendances. Puis vous allez le résoudre. Après, ça dépend. Après, il y a des gens qui aiment les BOM, Maven BOM. Il y a aussi des plugins. Il y en a un dans Netflix, un qui est fait par Netflix, un qui est fait par Spring. Celui de Netflix, c'est plus puissant que celui de Spring. Mais ça permet voilà, d'importer des Maven BOM, typiquement, donc de ne pas avoir à mettre les numéros de version, etc., etc., etc. Enfin, bref. Une fois qu'on a commencé à goûter au build composite, c'est un truc, ça devient difficile de s'en passer. Et notamment, bah, pourquoi? Parce que ça vous fait gagner un temps fou, parce que vous n'avez plus besoin de republier tous vos artefacts localement. Vous êtes sûr que la version qu'il va prendre, c'est la version locale. Donc un autre exemple qu'on utilise, c'est le développement de plugins pour Gradle. Voilà, vous voulez tester le plugin que vous êtes en train de développer. Comment on peut faire? Sans avoir à le publier. Mais en fait, vous pouvez utiliser une build composite. Il va aller utiliser la version qui vient de compiler comme étant celui qui va utiliser dans la composite. Bref. C'est rigolo, jouer avec. C'est tout neuf. Donc c'est possible qu'il y ait des bugs. Et s'il y en a, bah, Jira. Voilà. Dernière démo que je vais vous faire. Donc c'est quelque chose qui va arriver dans Gradle 3.2, voire 3.3, on ne sait pas trop. C'est déjà disponible dans la 3.1, mais vous ne le savez pas. Et c'est le cache de tâches. Alors qu'est-ce qu'on appelle le cache de tâches? C'est de dire, même si vous avez fait un clean, on va se souvenir que vous avez déjà compilé quelque chose et on va aller le récupérer pour vous. C'est quoi l'intérêt? C'est juste énorme. Pour ceux qui font git, si vous faites du git bisect, à chaque fois que vous faites un git bisect, en fait, dans chaque exécution, vous avez le temps de prendre un café. Parce qu'il va faut faire un clean, il va tout recompiler, mais ça se trouve, entre deux commits, il n'y a peut-être qu'un seul fichier dans un sous-module qui a changé. Sauf que vous avez complètement pété votre repo local. Ça a complètement changé la structure des fichiers. Mais avec ça, avec un cache, en fait, vous allez faire votre exécution, mais à chaque clean, bah, s'il se rend compte qu'un dossier n'avait pas changé, il va quand même aller le récupérer du cache. Donc on va avoir deux sortes de caches. On va avoir un cache local qui marche sur votre machine développeur entre différentes builds. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet qui a été faire un checkout dans différents dossiers. S'il a été compilé dans un dossier et que vous le recompilez dans l'autre, eh ben, il ne va pas aller s'amuser à recompiler, il va savoir qu'il a déjà dispo en cache. Et l'autre, qui est beaucoup plus intéressant, c'est de dire ce cache, il va être distribué. Donc, dans une boîte, vous êtes N développeurs, il suffit qu'il y en ait un dans la boîte qui ait compilé le truc pour que tous les autres le récupèrent. Et que vous n'ayez pas à perdre de temps à le compiler. D'accord? Mais surtout, si vous mettez ce cache-là sur votre serveur d'intégration continue, c'est terminé d'avoir des builds qui durent 3 heures. Puisque de toute façon, il suffira qu'un seul agent ait compilé pour que tous les autres le récupèrent. Donc, j'avais envie de terminer en fait cette petite présentation par ça, par ces petites démos de ce que c'est que le tâche output cache. Alors, on a une API pour ça, hein. C'est-à-dire que vous pourrez implémenter votre propre backend de cache. Donc là, pour l'instant, la version 1, on ne sait pas trop avec quel cache on va le sortir, mais là, ce que je vais vous montrer, c'est un cache qui utilise Hazelcast. Hop, petite démo. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de mes deux machines. Pourquoi j'avais besoin de mes deux machines? Parce que ce que je vais faire, en fait, c'est reprendre mon exemple de build composite que j'avais là. Je vais rajouter du cache par-dessus. Et l'intérêt, c'est que mon cache, en fait, il est là. Donc là, j'ai une deuxième machine qui a un Mac. Donc là, c'est un Linux. Là, c'est un Mac. Ils utilisent la même version du JDK. On devrait pouvoir faire quelque chose. Donc, on va tenter ça.
Donc je vais aller dans mon dossier composite. Donc c'était le hierarchical de multi-repo. Multi-repo app. Voilà. Et dedans, donc si je faisais un gradle run, pourquoi ça marche plus? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je sais plus, donc je vais aller hop, remettre ça dans le module parce que j'ai dû faire une bêtise. On va juste recommencer. Ah, c'est parce que je suis pas offline. Oui, c'est comme j'avais plus le module dans local. C'est un truc bête, mais comme j'ai pas de connexion internet, du coup il essaye de le chercher sur le repository externe que j'ai pas. Donc là voilà, je lance, ça met 3 secondes, ça met 1 seconde, très bien, mais maintenant hop, je vais faire clean run. Alors, là, il faut que je fasse clean all run. Alors clean all, là ça devient plus compliqué parce que sur clean all il va tout recompiler à chaque fois. Donc il fait un clean de chacun des sous-dossiers. Et puis voilà, bon, ça met 2 secondes, on va dire. Mais tout est local. Maintenant, je vais ouvrir une deuxième fenêtre et on va aller se faire un petit che sur le deuxième là. 192.168.1.131. Je vous fais confiance, hein. Ok. Et donc maintenant je vais aller chez lui. Alors, vous n'allez pas voir ce qui se passe ici, mais c'est pas grave. Je peux invoquer un tiers de confiance. Donc là je vais juste vérifier que mon cache est bien lancé. Hop, il n'était pas lancé, donc ça n'a pas bien marché. Mais donc là je suis sur le MBP, donc le MacBook Pro. Et donc lui, bah, il a aussi ce dossier-là. En fait, il a aussi le même repo qui est dans multi-repo app. Et donc si je fais un gradle clean run, hop là, pardon, j'ai pas l'alias sur ce Mac, gradle w clean run, il va me faire la même chose. Donc il compile. Bon. Le clean run, ça va. Et donc, si je clean tout, bon, déjà, c'est plus long, faut qu'il compile. OK. Bon. Maintenant, je vais rajouter une petite conf qui va me permettre de mettre ce cache distribué. Donc, j'ai mis ce qu'on appelle un init script. Hop, la commande, c'est ça. Donc j'ai rajouté un init script pour juste initialiser le cache Hazelcast, pour lui dire qu'il va aller taper sur Hazelcast, et puis une petite propriété système pour activer le cache. D'accord ? Et ma commande, c'est toujours clean all run. Donc là, je vais réexécuter cette cache-là, mais sur le Mac. Je le fais. Piouf ! Et là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il a mis moins de 1 seconde pour l'exécuter, et il a tout récupéré du cache, même si j'ai fait un clean. Je peux le réexécuter plusieurs fois, c'est cool. Et donc maintenant la démo, c'est de dire, ça serait quand même sympa si moi qui suis sous mon Linux, là, je pouvais aller chercher ce qui s'est passé là-bas. Et donc on va aller faire ça. Et j'ai de la chance, si j'ai qu'un seul truc à changer dans l'IP. Et ben on va y aller. Piouf. From cache. Donc là on voit qu'il a récupéré en fait le compile du cache. Ouais, mais alors ça a pris du temps parce que j'avais pas la même version de Gradle. Mais si je relance, hop là. Voilà, donc là il y a un petit peu plus de temps parce qu'il passe par le réseau. Mais en gros, il allait chercher. Donc là, vous imaginez que ça c'est bien, mais là mon exemple il était tout con, c'est super rapide. D'accord ? Mais quand on a, en fait, là on est en train d'expérimenter sur une build d'entreprise où ils utilisent notamment Lombok. Si vous connaissez Lombok, c'est de la génération de code. Et c'est terriblement lent. Lombok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez collé des annotations Lombok, il faut faire l'annotation processing sur tous les fichiers, c'est super lent. L'annotation processing, en général, c'est une catastrophe pour les perfs. Mais voilà, ils voulaient qu'on accélère leur truc, donc on a fait ça. Donc du coup, eh ben, tout est récupéré dans le cache, et c'est indépendant de là où ça s'exécute. Yes. Ça se base sur des hashes de fichiers sources.
Alors, hash de fichier source, plus hash du ClassPass, plus plein de trucs un petit peu sioux. Et notamment, pourquoi c'est pas aussi rapide que ça à développer? C'est parce que c'est totalement dépendant du système. Donc là, la première version qu'on va sortir, c'est la version cache pour Java, puisqu'on sait que notamment, quand tu compiles du Java, on se moque du chemin absolu d'un fichier. D'accord? Ce qui importe, c'est le chemin relatif. Donc, tu as certaines informations comme ça qu'il faut que le cache connaisse pour pouvoir savoir s'il peut mettre en cache ou pas. Donc voilà, on sort ça, on va sortir ça sur la 3.2, donc ça va être un truc plutôt cool. Hop, pour terminer sur l'aspect performance, on a un petit guide que vous pouvez aller en ligne consulter, qui vous donne plein de petites astuces. Alors pour ceux qui font du Android, il y a une petite section dédiée à Android. Parce qu'en règle générale, ceux qui utilisent Android et qui découvrent Gradle par Android, ils s'arrachent les cheveux, ils disent c'est pas possible que ça soit si lent. Si, c'est possible. Mais on y travaille, on se flagelle et puis on améliore les perfs. Voilà. Et là, c'est en fait le graphe qui est là, c'est un graphe que j'ai pris en exemple d'un blog post que j'avais écrit sur comment on améliore les perfs de Gradle. Et notamment, on a toute une infrastructure de tests de performance où on compare les différentes versions de Gradle entre elles selon les scénarios. Et on se compare aussi à d'autres outils, donc notamment par rapport à Maven. On essaie de s'assurer qu'on est toujours plus rapide que Maven. Et puis j'ai terminé avec 8 petites minutes d'avance sur la limite. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Pas de questions ? Ouais. Du coup, le cache, j'avais entendu dire que Google, ils avaient ça en fait dans l'infrastructure, ils se sont refaits leur public, ils avaient un outil un peu similaire. Sur Bazel ? Ouais, voilà, c'est ça. Donc Bazel, c'est un outil de build qui est fait par un Google, mais il y a des grosses différences avec Bazel. C'est que Bazel, déjà, c'est fait pour le cas principal d'utilisation, c'est Google. Oui, et Google, ils ont open-sourcé. Un monorepo où il y a tout dedans, ils ont des centaines de machins, et ils n'ont pas de gestion de dépendance. Non. D'accord ? Donc Bazel n'a pas de gestion de dépendance, alors que le cache, lui, le gère. Le cache est Gradle. Mais oui, ils ont ça. Oui, dans ces cas-là, il faut nous faire un chèque. C'est comme ça qu'on vit. Tu viens me voir à la sortie ? Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a au moins donné envie d'essayer Gradle et de dire que c'est pas juste un remplacement de Maven, c'est quand même beaucoup plus que ça. Voilà. Merci à tous.